Et on est de retour pour Adventure Escape Haunted Hunt et pour le chapitre 5 qui vient juste d'arriver et que nous vous proposons maintenant. Alors, nous sommes dans les salons d'Otto. Alors, pour l'instant, je ne sais pas dans quel sens ça va. On a un mécanisme aussi ici. Un truc par là. D'accord. Pour l'instant, on va continuer. Ah, il y a trois espaces, attention. Allez. Ok. Ok, donc ça va nous indiquer la comment dire, la serrure qui est ici. Regarde. Un point haut. Quadrillage. Rien. Et voilà. Donc on vient d'ouvrir la serrure. Ok. Donc pour, je rappelle, pour regarder, c'est les symboles qui sont ici. Pas besoin de les voir en entier, ça suffit de voir simplement une moitié. Alors, on ouvre, qu'est-ce qu'on a à tout faire ? Les allumettes. Toile d'araignée peut-être, non. Ok. Alors si on retournait au mécanisme des horloges, est-ce qu'on a besoin d'autres mécanismes? Ouais, non. Bon. Alors on va continuer. Cette clé peut-être. Baxter. D'accord, donc il faut nettoyer l'armoire, ce que j'ai déjà fait, mettre un peu d'huile dans la lampe, arroser les plantes, réparer la pendule et ouvrir enfin. D'accord. Donc ça a été fait. Ah non, peut-être pas. On peut peut-être nettoyer l'armoire. Ok, on a réglé toutes les lampes, donc on vient de récupérer une autre clé. Donc on arrose maintenant les plantes. Donc on va mettre de l'eau dans l'arroseur. Ok.
Ok, on vient d'avancer les pointes. Yes. Oh, on va récupérer. Un contrat. Encore un truc, d'accord, très bien. Ouais, c'est allé là un petit peu, on a fait un chat, on va voir si on peut louper quelque chose. Ok. On peut. Donc, on vient d'arroser les plantes maintenant, on doit pouvoir réparer la pendule. Donc toujours un... C'est vrai que c'était un state à 13 novembre 1850. Vous connaissez le taux, pas que c'était. Ok, donc il y a des traces. D'accord. Il y a des traces et il y a des empreintes digitales. Ok. Ah, d'accord. Donc, il faut retrouver la bonne empreinte. Et mettre systématiquement la bonne empreinte. Ça fait un espèce de truc vers la gauche. Je pense que on va reconnaître assez facilement. Je pense que la première c'est. Ouais, je pense que c'est celle-là. Ah non, sans le petit rond au milieu. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça suffira pour aller? Ok, j'ai toutes les pièces manquantes. Je dirais que je dois ranger les engrenages d'une certaine manière pour qu'ils s'assemblent tous. Un feutre logique. Thank you.
Ok, là on est bien dans les couleurs. Ok, on a fini. Donc c'est le dernier qui vient ici à gauche. Donc regardez, ça donne ça pour les pièces qu'on voit simplement quand on est en chat, et ça donne ça pour les pièces qu'on voit quand on n'est pas en chat. Allez, une autre clé. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on peut aller ouvrir? On a 4 serrures. Évidemment, ça sera pas bon. Bien évidemment, ça sera pas bon. Donc, il faut savoir comment on va aller utiliser ces clés. C'est marqué sur le contrat, le to-do list. Non, il n'y a pas marqué ce qu'on voit. Qu'est-ce qui pourrait nous indiquer? Quelque chose qui nous indique. C'est la pointe du gars 3, donc on va essayer. Ok, donc imaginons la pointe du gars avec la reine. Ici, et ensuite. Comment on fait pour savoir où les placer ces clés? Franchement, j'arrive pas à savoir. Donc, ça va être sans doute. Avec les fleurs, peut-être. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça commence véritablement qu'une rencontre, forcément. On signe quelque chose.
mais on se dispute. On est étonné. Le signe, on engage. Alors, donc ça serait Baxter est employé. Ensuite, Baxter trouve la prof qu'Otto ment. Otto attrape Baxter à 4 heures. Baxter promet de rester silencieux. Baxter prouve la brûle de la preuve. Otto craint très bien la part de Baxter. Du coup, Otto prépare. Termine la liste. Ouvre le piège. Très bon Baxter de la fin. Ok, et ben voilà, on a la clé pour partir.